110 journaux, qui a 40 chaînes de télévision, qui a un nombre indéterminé de presse, de médias électroniques. S'il faut parler de 60, naturellement, c'est compliqué. Nous allons le gérer en famille. Nous allons nous comprendre. Personne ne sera chassé, mais comprenons que pour laisser une ouverture et une clôture, laissons place à ceux qui ont été choisis, non pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'il fallait choisir. Tout le monde pouvait être choisi. Vous les savez, lors des rencontres que nous avons ici pendant une semaine, on était allé sur un nombre de 30. Nous nous sommes retrouvés souvent à 90, 100. Et vous savez comment on a géré. J'ai eu quand même l'injustice. Et on a géré en famille. Ça, on ne dira pas ici. Je ne voudrais pas qu'il y ait des frustrés pour sortir de ces différentes rencontres. Nous allons donner des habilitations aux organisations professionnelles qui ont fait des choix. Et ces organisations vont remettre aux médias concernés les habilitations. Mais que chacun comprend qu'il n'y a pas eu un clanisme, il n'y a pas eu de camaraderie. On a fait un choix qui peut être critiqué, mais compris que tout le monde peut couvrir. Nous avons mis en place un dispositif qui permettra à chaque média malien de désir de couvrir. D'abord, l'ORTM a décidé de donner le signal à tous les médias qui le souhaitent. Ça, c'est important. Studio Tamani et Lundel ont décidé de venir installer ici un studio. Studio Tamani, c'est déjà 85 radios sur l'ensemble du territoire national en 5 langues. Et là également, le signal est free. Tout le monde peut prendre. Maintenant, pendant les commissions, naturellement, il y aura la sécurité qui va demander des badges et autres là aux gens. Nous allons voir comment, à partir de la carte des presse professionnelles, on peut laisser les gens venir couvrir les aspects du dialogue qui peut les concerner. Et ce n'est pas fortuit que nous ayons choisi dans la commission de presse vos collègues et désigné le président de la maison de la presse comme président de la commission de presse de ce comité de dialogue intermalien pour la paix et la conciliation nationale. Lorsque votre pays, comme partout ailleurs, traverse des crises, des conflits, la presse est à l'avant-garde. Dans les plus grands pays du monde, lorsque le pays est en crise ou en guerre, la presse s'unit à l'unisson pour faire passer des messages positifs au sein de la population, au sein de leurs concitoyennes et concitoyens.